Voilà, son santé peut détériorer. Vous calculez 5 jours, vous ne pouvez pas manger, vous ne pouvez pas boire, vous ne pouvez pas dormir comme un bisin. Mais normal, la santé n'est pas pour correct. Je suis content si mon récit gagne un docteur right, qui vient guettement la santé, parce que la santé peut détériorer. Je suis content qu'il y ait une visite ouverte. Je suis toujours stagnant. Peine à l'évolution. Right, apporte de position. Ben l'association, le membre du public, right, et ben camarades qui dans l'autre association ensemble. À part ça, ben la personne, le gouvernement n'a pas besoin de signe de vie. Right, et ça, c'est très décevant. C'est très décevant dans le sens si, jusqu'à présent, il arrive 5 jours de la grève, le gouvernement n'a pas besoin de manifester, je dis tout. Mais peut-être qu'il se décroche, je peux faire tirer les plaisirs. Qui vous pouvez bien aller parce que vu qu'il y a des camarades qui s'accompagnent moi dans la crise là, il y a aller. Et c'est qui se croit qu'on va dire moi je ne peux pas aller. Et malheureusement, moi je ne peux pas aller. Même moi je suis malade là. Je peux dire ça là ouvertement au grand public. Je ne peux pas aller personne fièrement là. Mais pour rester là, si arrive un problème, je arrive au problème là. Je ne peux pas aller personne fièrement. En me position, comment vous me connaissez, il y a Ovin Boulel, il y a Alan Ganou, Tanadjol. Barbier, France Azabel, quatre associations qui peuvent venir sympathiser à moi, qui demain je pourrais joindre dans sa grande conférence de presse qui Jacques Lizal peut faire dans Marie-Anne de la Pella. Le gouvernement c'est toujours statico, c'est incroyable. C'est la différence gouvernementale incroyable. Je ne sais pas connaître qui je peux retrouver, qui lobby, qui la force, qui se tenait derrière, parce que je ne sais pas tout ce que nous disons. Parce que ce n'est pas normal ça. Ou peut souffrir comme ça, ou peut faire la guerre de la faim. Tes mots tous les jours, puis rétrécir de ta vie, puis rétrograder ta vie tous les jours. Vous parlez vous chez les doigts. Mais il est incroyable. Elle n'a fait qu'une promesse au bout de l'année, elle n'a fait qu'une partie prenante avant l'élection. Alors si elle gagne l'élection, on est clair nous. Mais ça, les peuples bisaient insister ça. Les peuples mauriciens bisaient insister ça, gouvernement là, comment il y a avec tout le monde. Avant l'élection, belle promesse, montrez-nous, faites nos manifestes électorales. Mais là, l'élection, une finit, je te pouvoir, je te lave la main en nous. Il n'est pas correct.